Non, enfin, son rugissement à elle, c'est plutôt ça. Certes, le rugissement n'est pas encore digne de la Metro-Goldwyn-Mayer. Cette petite lionne qui se refait une santé aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, a été apportée par un particulier aux eaux d'Amnéville, en Lorraine. C'est l'association Tonga, terre d'accueil, qui s'en occupe. Le but de Tonga, ce ne sont des installations que temporaires pour recueillir un maximum d'animaux, pouvoir leur apprendre à vivre ensemble, leur donner une vie familiale et sociabiliser, et ensuite les placer ailleurs. Pelage clairsemé, ventre gonflé, cataracte, pattes avant déformées, la lionne avait été très maltraitée. Avant de trouver un asile définitif, elle grandira en compagnie de trois autres lionceaux récupérés et sauvés, eux aussi, par Tonga, terre d'accueil.